Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue. Galatasaray contre Barcelone, c'est ce soir, je suis de retour ici. J'étais là il y a deux jours pour Galatasaray Beşiktaş, mais ce soir ça va être une dinguerie, une dinguerie. Regardez autour, l'ambiance elle commence à monter, mais alors là c'est particulier. Je pense que je vais vivre, à mon avis, le match de ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Eh, ça va les gars? Ouais. C'est bon signe, j'ai croisé les Algériens, c'est très bon signe. Je vais vous montrer l'ambiance autour. Et attendez, je vais surtout retourner la caméra parce que ce soir, je suis avec mon papa. Voilà. Il va m'accompagner pour le match. En plus, il m'a dit ça fait 20 ans. 20 ans qu'il est pas allé au stade. Et ce soir, il est de retour pour ce match de malade mental. Take
Kazakhstan. Ah, ça du kiff. Parfait. Yes. Yes. Let's go.
mi-temps sur cette transversale. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que Galatasaray, il joue à 10 contre 11 parce que Gomis, le pauvre, il est totalement mort. Et en tout cas, 1-1, c'est un bon score quand même. 1 partout, c'est un bon score. Donc il y a deux points, il croit. Bah, on se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Non, il faut qu'ils changent et qu'ils n'ont pas d'autre. Bah, c'est faible, hein, Galatasaray. C'est faible, Galatasaray. Ils n'ont pas la profondeur de bande du Barça. Le Barça, il n'est pas à 100%. Ouais, mais le 7, il est fort, mais il fait tout seul au bout d'un moment. Bon, en tout cas, on y croit, t'as dit 2-1, moi j'y crois. Encore dans les serres. Ouais. On va voir. Même si c'est pas. En tout cas, rendez-vous de deuxième mi-temps. Il faut qu'il marque pour se racheter. Ouais. Il avait fait 2 arrêts. Oh, deuxième but du Barça. 42e minute. Ça va être compliqué, hein, parce que le Barça, ça se voit que là, ils sont rentrés en mode deuxième mi-temps, en mode on y va. Mais ça a mis un petit coup de froid là dans ça. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un bonheur de revenir ici, dans ce magnifique stade. Je reviendrai. Et je vous dis à très vite. Bye la Turquie.